Alors, comme vous avez pu le voir, la compagnie arrive en face de nous, entre moi et mon voisin. J'hésite à tirer devant pour les éclater. Malheureusement, j'ai pas l'angle, donc je suis obligé de les laisser sauter. C'est alors que l'allée arrivant entre moi et mon voisin marque un temps d'arrêt, ne m'empêchant de tirer, étant donné que je suis pas fichant. Mon voisin à ce moment-là tire et déclenche la panique. Là, je prends le quatrième bête rousse de la compagnie que je tire, qui est séché pratiquement sur le chemin. Dans le dos de mon voisin. Ensuite, tout s'enchaîne assez vite. C'est un peu la panique. Il démarre en pleine. Et là, mes voisins et moi enchaînons les tirs, comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo, en fond de vallon, sur ces animaux qui d'abord redescendent vers le fond de vallon, puis remontent après de l'autre côté pour rejoindre l'autre partie forestière. Trois resteront avec nous et deux seront retrouvés le lendemain en recherche. Voilà. Grosse compagnie qui sort en pleine, trois morts visibles, certainement d'autres blessés derrière. Hein? C'est Chambord. On va raccrocher un dessus. Car ça doit être celui qui a pas de fossé. Moi je fais ces deux-là. Ouais, je vois. Moi, je prends. Et celui-là, je tire en même temps que toi. Bah, il prend la balle avant le fossé. Ouais, bah, c'est ça, je tire en même temps que toi. On saura pas, les deux là. Balles arrivent dedans, donc je sais pas. Mais après, là je pense qu'on en raccroche un là-bas aussi, il faudra ouais, les voir. C'est accusé, c'est sûr. Mais... Et tu peux pas les tirer devant, Patrick? Non, Patrick, il est dans l'axe, il peut pas tirer. Ça descend dans le champ. Ouais, ça descend droit balles, de face. Plus, hein? T'as des balles ou pas? T'as des 300? Ouais. J'en ai pas pris assez.
nouvelle chasse donc sur ce secteur de la Marne où je suis posté en bout de ligne. Il nous manque deux postés. J'ai été obligé d'écarter la ligne que j'ai postée ce jour-là. J'entends une menée qui arrive et qui va évidemment poster là où il n'y a personne. Donc je suis obligé de me décaler vers mon voisin pour essayer de recouper cette menée. Je vous laisse regarder et profiter des images sur cette belle menée de deux chiens sur une bête rousse qui m'ont vraiment fait plaisir et qui m'ont permis de faire un joli tir. À la houe, à la lie, à la houe, à la lie. Ouais, je viens de le faire, je l'ai recoupé en courant, il allait sauter là où il n'y avait personne. Je l'ai recoupé en courant et je lui mets une balle derrière l'oreille, les chiens viennent d'arriver dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, c'est bien. C'est bien, les chiens. C'est bien. C'est bien, les pépères, c'est bien. Bravo, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, allez, va chercher. Yes. Yes, yes. Franck pour Patrick, Taillot à la lie. Alors là, il faut que je vous explique, vous m'entendez dire Taillot à la lie et vous n'avez pas les images. Malheureusement, j'ai décidé en fin de battue de me décaler de mon poste pour me mettre sur un mirador en refuite, étant donné que la battue se passait assez loin. Et deux chiens reviennent avec un chevrillard, malheureusement la caméra ne se déclenche pas. Il passe devant moi à une quinzaine de mètres et je le prélèverai d'une balle de coup devant le mirador. Encore une bonne de fête. On va aller au résultat. J'ai la chance de faire un sanglier et un chevreuil au même poste. On va aller au résultat. Nickel, un beau petit chevrillard. Balle de cou, impeccable. Ça c'est le premier. Maintenant on va aller récupérer le sanglier là-bas. Bon ben voilà, les deux animaux sont récupérés. Vraiment une très très belle battue aujourd'hui. On a vu beaucoup d'animaux, beaucoup de sangliers. Quelques chevreuils, l'efficacité a l'air d'être au rendez-vous, donc on va dire merci à Saint-Hubert pour ce magnifique week-end. À bientôt les amis.